Salut les gars, voilà, c'est tout le monde, c'est mon hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc j'ai bien fait cette vidéo là pour aider un peu ceux qui m'ont sollicité en ce qui concerne la bourse des États-Unis. Voilà, ça c'est une bourse des États-Unis. Alors, ceux qui veulent vraiment postuler, c'est une bonne opportunité pour vous de pouvoir le faire tranquillement et sans souci. De toutes les façons, je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule et puis là vous allez pouvoir le faire avec moi. Donc, comme vous le voyez là à l'écran, ça c'est la bourse à l'université Duke. Voilà, donc sur cette plateforme là, il y a plusieurs bourses. Voilà, mais en ce qui concerne l'étudiant, par rapport aux caractéristiques, par rapport aux envies et aux besoins de l'étudiant, voilà, l'étudiant va choisir une bourse en fonction de ses caractéristiques. Voilà, donc ça dépend de vous. Donc, moi je vais choisir une bourse ici et puis je vais essayer comme ça de postuler comme ça. Et donner des informations sur cette bourse là qui m'intéresse. Voilà, donc ici pour postuler à la bourse, sachez déjà que c'est une bourse qui est hyper entière, c'est à dire quoi, c'est à dire même le voyage pour aller étudier là bas cette bourse là prend en charge tout cela. Et surtout, ce que vous devez savoir, c'est que la bourse est en forme de level. Voilà, donc si au fur et à mesure que vous avez un bon dossier, voilà, vous avez aussi la bourse qui tend vers 100%. Voilà, donc ceux qui vont commencer à avoir, par exemple comme ça, une bonne moyenne, voilà, ou bien un bon dossier, vont voir leur bourse ou bien leur offre aller atteindre 100%. Voilà, donc sinon, à part la scolarité, tout ce qui reste est pris en compte par la bourse. Voilà, donc ici, par exemple comme ça, vous venez là, la bourse d'excellence, vous voyez là, bourse d'excellence, et vous choisissez la bourse que vous voulez. Vous voyez ici, il y a plusieurs types de bourses. Voilà, il y a vraiment plusieurs types de bourses. Vous pouvez choisir bourse d'excellence et tout ça, mais moi je vais prendre la bourse du programme international cash. Voilà, je vais prendre ça. Sinon, vous pouvez prendre aussi ça. Vous voyez ici, par exemple comme ça, excusez-moi, ici bourse d'excellence pour les étudiants entrants de première année. Donc ça, c'est pour ceux qui viennent faire la licence. Voilà. Et ici, opportunité pour les étudiants du premier cycle actuellement de Duke. Ça, c'est ceux qui fréquentent déjà là-bas. Voilà. Bourse de programme de bourse d'étudiants des anciens. Bon, ça, c'est pour les anciens. Programme de bourse d'étudiants Duke. Ici, programme de bourse BN Duke. Programme de bourse commémoration. Ici, bourse international crash. Voilà. Moi, je voulais postuler à celle-là pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, donc si moi je prends ça, je vais cliquer dessus. Ok, donc ça me renvoie ici. Ici, par exemple, on me dit à l'honneur des contributions exceptionnelles internationaux à l'université Duke, la bourse internationale a été fondée en 2022. Ok, donc si je lis bien, la recherche universitaire et l'édition au service de la société. Les candidats internationaux doivent avoir démontré un besoin financier pour être éligibles à cette bourse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ce qui sera plus important pour vous, c'est votre lettre de motivation. Donc, n'oubliez pas, notre cohorte actuelle d'universitaires comprend les étudiants de Chine, Croatie, Salvador, Angleterre, Éthiopie, Allemagne, Canada, Ghana, Grèce, Inde, ok, Nigeria, ok. Donc, si vous voulez postuler, vous comprenez déjà qu'avec ce message qui est déjà ici, il y a plusieurs étudiants, même il y a des étudiants partout dans le monde qui peuvent postuler. Donc ceux qui veulent postuler, ça sera vraiment une bonne chose pour vous. Ici, un étudiant citoyen, voici les questions qui sont posées. On va essayer de vérifier un peu pour voir un peu comment est-ce que vous allez postuler. Un étudiant citoyen de n'importe quel pays en dehors des États-Unis peut-il être considéré pour cette bourse? Donc déjà, ceux qui vont me poser les questions, vous avez déjà les réponses ici. Vous pouvez cliquer là, c'est oui. Donc, c'est-à-dire tous les étudiants du monde entier peuvent postuler à cette bourse. Ici, un étudiant qui a une double nationalité peut postuler. Voilà, ici c'est non. Un étudiant qui a la double nationalité américaine, autre pays, ne peut pas postuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous venez de l'Amérique, des USA, c'est pas la peine de pouvoir chercher à postuler à cette bourse-là, c'est pas la peine. Et je rappelle encore que la date limite, ça c'est le 1er novembre, mais ça peut se poursuivre pour des facultés jusqu'en janvier, jusqu'au 23 janvier. Voilà, donc ça sera à vous de voir sur le site
tout y est. Ici, par exemple, comme ça, on me demande comment puis-je postuler à cette bourse. Voilà, vous, pour postuler à cette bourse, c'est très simple et c'est très pratique. Vous postulez simplement à l'université Duc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez votre admission et par là, vous allez pouvoir postuler à l'université sans problème et en pure simplicité. Voilà, vous n'êtes pas obligé de postuler à l'admission et aussi à la bourse en même temps. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, qu'est-ce qui fait de moi un bon candidat pour cette bourse? Voilà, solide préparation académique et besoin documenté d'aide financière. Donc, c'est-à-dire que le plus important, c'est d'écrire une bonne lettre de motivation qui dit que vous avez vraiment besoin d'une aide financière. Voilà, donc ici, par exemple comme ça, on vous dit que couvre-t-il la bourse? Vos frais de scolarité, chambre, repas, frais obligatoires, besoin démontré qui dépasse ses coûts et 3 étés de financement pour les recherches, des stages non rémunérés et d'autres opportunités qui feront progresser votre carrière universitaire. Vous comprenez? Voilà, donc ça veut dire qu'en réalité, cette bourse-là prend vraiment tout en charge. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, je vous encourage vraiment à vouloir le faire. Donc, apprenez à connaître nos boursiers cash. Venez rencontrer nos boursiers actuels, boursiers internationaux de cash. Donc, si je clique là, vous allez essayer un peu de les voir. Donc, voici les boursiers qui ont été retenus par la bourse les années précédentes. Voilà, comme vous le voyez là. Tout le monde peut postuler à la bourse. Voilà, donc nous, on va comme ça essayer de vous montrer un peu comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler à leur admission. Voilà, donc je vais essayer de clore cette vidéo-là et faire une vidéo tout à l'heure. Vous allez voir comment ça se passe et puis comment est-ce que vous pouvez aussi postuler. Donc, à tout à l'heure, les gars.